Non, tu n'es pas fait pour rester dans cette boîte de morts. Seuls les morts y sont à l'aise. Quelqu'un a dit un jour que c'est dans les cimetières qu'on trouve les plus grandes visions qui n'ont jamais été réalisées. C'est là qu'on trouve les livres qui n'ont jamais été écrits, les films qui n'ont jamais été produits, les choses qui n'ont jamais été faites, les paroles qui n'ont jamais été dites dans le cimetière. Et beaucoup de personnes, on l'a vu cette semaine, sont pris, complètement pris de l'intérieur. Et on doit comprendre que, en restant dans cette boîte, on va pourrir. Et cette boîte pourrira notre vie et ne nous permettra jamais de servir le Seigneur tel qu'il l'a voulu. Et aujourd'hui, et pendant cette semaine, le Seigneur est en train de libérer plusieurs personnes de ce cercueil, de cette boîte de mort dans laquelle tu ne dois pas rester. Et si tu penses que cette boîte est sécuritaire et que sortir de cette boîte est un danger, tu dois vraiment comprendre qu'y rester pourrira ta vie et t'empêchera de servir le Seigneur. La parole de Dieu déclare que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Et tu ne peux pas accepter l'inacceptable. Tu ne peux pas accepter de rester dans cette boîte de mort. Tu ne peux pas accepter, je ne peux pas accepter d'accueillir un ennemi qui est là et qui ne devrait pas être là et qui ne glorifie pas le Seigneur. Quelle que soit la boîte dans laquelle Satan t'a introduite, peut-être t'a poussé, tes amis peut-être en voulant bien faire comme on l'a dit, des fois en voulant te faire mal tout simplement. Quelle que soit toi aussi les boîtes que tu as pu créer par toi-même, cela ne glorifie pas le Seigneur. Cela ne glorifie pas le Seigneur que tu sois incapable de faire ce qu'il t'appelle à faire. Cela ne glorifie pas le Seigneur que tu sois incapable de dire ce que tu es appelé à dire. Cela ne glorifie pas Dieu que tu ne puisses pas exprimer ton plein potentiel. Ce qu'il a mis en toi doit s'exprimer. Les paroles qu'il a mises dans ta bouche doivent être déclarées. Ce qu'il te demande de faire doit être fait. Il est écrit dans le livre de Jérémie que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Et Dieu lui a dit, « Avant que tu n'aies été formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Alors, Jérémie répondit, « Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler. » Car je suis un enfant, mais l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras, tous ceux que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit la main, et il toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche, regarde. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. J'aimerais aujourd'hui parler à quelqu'un. Tu es dans cette boîte de mort depuis trop longtemps. Tu es dans un cercueil spirituel. Tu es pris à l'intérieur et incapable de faire ce que le Seigneur t'appelle à faire. Et je veux déclarer sur ta vie aujourd'hui et pendant cette semaine que tu reçois une délivrance, tu reçois une délivrance et les chaînes qui t'oppressaient, les chaînes et les verrous de fer et d'acier qui t'empêchaient de pouvoir être libre et goûter à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Dieu explose, il explose ces verrous d'acier, il explose ces verrous de fer pour te rendre libre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Lazare, sors de ce tombeau de mort. Tu n'es pas fait pour rester dans ce tombeau de mort. Mon frère, ma sœur, ça fait trop longtemps que tu es là. Tu es pris à l'intérieur et tu te sens bloqué, limité. Tu ne peux pas avancer. Tu voudrais le faire et tu te sens incapable d'avancer. Mais par la puissance de Dieu aujourd'hui, reçois ta pleine délivrance afin que, oui, que la terre qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, que cette terre puisse voir ta révélation dans le nom du Seigneur. Que cette terre puisse voir ta révélation.
Le Seigneur dit, ne dis pas, je suis un enfant. Depuis trop longtemps, tu pleures. Sois la vision, depuis trop longtemps, tu pleures de ne pas réussir à faire ce que tu es censé faire. Les larmes coulent, et peut-être c'est dans le cœur que les larmes coulent. Tu sais qu'il y a plus. Tu sais que Dieu t'appelle à faire plus. Tu sais qu'il y a un appel dans ton cœur. Et Dieu dit, ne dis pas, ne dis plus, je suis un enfant. Ne dis plus que tu ne peux pas le faire. Ne dis plus que tu ne pourras pas aller. Ne dis plus que c'est impossible. Ne dis plus que tu vas rester là dans ce cachot et dans cette fosse, parce que Dieu est celui qui délivre de la fosse. Il te libère de tes oppresseurs. Il te libère de l'oppression, parce qu'il est Dieu. Et au son de sa voix et au son de sa parole, ce qui était mort ressuscite. Ce qui était invisible vient à la lumière. Ce qui était caché dans les ténèbres est révélé. Au son de la parole de Dieu, le mort ressuscite. Au son de la parole de Dieu, le malade est guéri. Au son de la parole de Dieu, celui qui était fatigué et chargé, il reprend vie. Il est rempli d'espérance. Et je prie maintenant que pendant ce temps de prière, la puissance du Seigneur vient sur toi et l'espérance renaît. L'espérance renaît. Tu pourras jeter tes mouchoirs et les laisser derrière toi. Tu pourras laisser derrière toi les chaînes. Tu pourras laisser derrière toi toutes ces choses de mort qui se sont attachées à toi. Tu pourras t'en défaire. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie dès maintenant que la puissance de délivrance vienne sur toi et que ce qui doit rester en arrière reste en arrière. Peut-être, oui, tu as été trompé. Peut-être, tu as été abusé, c'est vrai. C'est terrible. Peut-être, ces choses t'ont mis dans une boîte. Peut-être tu as été rejeté, méprisé par ta famille et par ceux que tu aimais. Mais tu dois laisser ces choses derrière toi. Tu dois laisser cette boîte de mort derrière toi. Quand le Seigneur l'aura décidé, il viendra t'enlever à la rencontre du Seigneur dans les airs, ou alors tu partiras. Peut-être un jour tu seras dans une boîte semblable à celle-ci, mais en réalité tu seras vivant. Parce que celui qui met sa confiance en Jésus-Christ ne mourra jamais, il vivra éternellement. Et le passage de la vie présente jusqu'à la vie éternelle sera comme un claquement de doigts. En un instant, toi et moi, on va se retrouver dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas, mon frère, ma sœur, rester dans cette boîte. Beaucoup trop de gens sont bloqués à l'intérieur. Ils sont là figés dans cette boîte de mort, incapables de faire ce qu'ils voudraient faire. Mais c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je me souviens, lorsque j'avais cette crainte et cette timidité excessive, lorsque j'étais plus jeune, je préférais avoir un zéro que de devoir faire un oral devant la classe, réciter une poésie ou je ne sais quoi, quel cours, ou répondre à une question. J'étais pris de l'intérieur, j'étais bloqué. J'essayais de me défaire de ces choses en pratiquant des sports de combat. Mais j'étais bloqué à l'intérieur, et beaucoup d'entre vous, vous êtes bloqués à l'intérieur. Vous pouvez même être responsable peut-être d'une société ou d'un département, ici et là, avoir une responsabilité. Certains, vous êtes un père et vous n'avez jamais réussi à prendre cette position de père. Et vous êtes encore un enfant à l'intérieur et vous êtes bloqué. Certains, vous êtes des mamans. Des mamans, vous avez été abusées et vous ne réussissez pas à offrir l'amour parce que vous avez peut-être eu un ex, comme on dit, qui a été violent envers vous, qui vous a abusé. Et aujourd'hui, vous êtes dans cette boîte de mort. Il n'y a plus de vie. Certains, c'est la dépression. La dépression est venue vous accabler. Vous ne réussissez pas à sortir de cette boîte de mort et à entrevoir de l'espoir. Mais Dieu est le Dieu de l'espérance. Et je prie que le Dieu de l'espérance puisse vous remplir. Je prie que le Dieu de toute joie et de toute paix dans la foi puisse, là où tu te trouves, remplir ton cœur et ton esprit d'une vie nouvelle, d'une puissance nouvelle. Je dois refuser de rester dans une boîte qui m'empêche de faire ce que je devrais faire. J'ai partagé avec vous comment lorsque j'étais jeune, un peu plus jeune, dans mon église locale, le Seigneur m'a dit « Celui qui ne veut pas déranger, se range. » J'ai partagé avec vous la vision de mon ami David qui m'avait vu dans un cercueil et descend dans ce cercueil, j'avais à peu près 20 ans. J'étais en train de mourir spirituellement, ou plutôt, en tout cas de mourir par rapport à la vie spirituelle que Dieu avait pour moi. Je ne serais pas allé en enfer, j'aurais été sauvé. Mais j'étais en train de devenir religieux. Un jour, le Seigneur m'a montré, par plusieurs songes,
l'état de l'Église et de beaucoup de croyants. Une vie spirituelle religieuse. Je me souviens un jour avoir rencontré dans un rêve des personnes. Et là, alors que tout le monde allait sur le passage piéton et tout le monde suivait les règles qui avaient été instaurées, moi, je ne voulais pas entrer sur ce passage piéton et les gens me regardaient comme s'il fallait que j'aille par là. Et je regardais ces personnes et finalement, j'ai suivi un homme qui a marché sur une croix qui se trouvait au sol. Je me suis retrouvé devant un bâtiment, comme un bâtiment d'un gouvernement. Et là, devant ce bâtiment, comme au Parlement, on pourrait dire, je suis entré. Et là, il y avait deux hommes, ce premier homme qui m'avait accompagné et un deuxième homme. Et il y avait une file d'handicapés mentaux qui suivaient ces deux personnes. Et en fait, le Seigneur m'a dit, m'a montré que c'était des pasteurs. Et des gens les suivaient aveugles spirituellement. Et alors j'ai marché, il y avait un escalier en colimaçon. Et j'ai commencé à emprunter l'escalier en colimaçon et les handicapés mentaux étaient derrière moi. Mais en réalité, ils étaient des handicapés spirituels. Et dans ce rêve, je me suis retourné et j'ai dit tout à coup, Jésus-Christ a dit, tout est possible à celui qui croit. Et j'ai répété encore, tout est possible à celui qui croit. Et le rêve s'est arrêté. Dieu m'a montré l'état de beaucoup de pasteurs, de beaucoup de croyants, des aveugles qui suivent des aveugles. Là où il n'y a plus de vie, c'est devenu un monument. On marche sur la croix. Les gens sont comme ça, aveuglés spirituellement. Ils deviennent comme des handicapés spirituels. Il n'y a plus de vie parce qu'il n'y a pas de foi. Mais quand Jésus-Christ est mort sur cette croix, il est mort pour que toi et moi, mon frère et ma sœur, nous puissions vivre la vie véritable et que nous puissions jouir de la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ ne t'a pas ressuscité d'entre les morts spirituels pour te ramener dans un tombeau de mort, pour que tu sois malheureux à l'intérieur, pour que tu sois triste, pour que tu te sentes bloqué, pris à l'intérieur. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, que le Saint-Esprit touche ton cœur, que le Saint-Esprit te permette de sortir de ce tombeau. Lazare, sort de ce tombeau. Lazare, sort. Et quand Lazare est sorti, alors qu'il sentait déjà les bandelettes, il a enlevé ses bandelettes qui l'entouraient. Et il a commencé à voir, et on le voit quelques jours plus tard, manger avec le Seigneur Jésus-Christ dans ce repas. Et je prie maintenant, alors que tu étais dans ce tombeau de mort, et alors que, au son de ma voix, comme le Seigneur parle à travers ma bouche, Lazare, ressuscite! Sors de ce tombeau. Tu puisses sortir de ce tombeau de mort. Même si tu sens déjà la mort, même si à force de rester dans cette boîte enfermée, tu es resté là dans la mort, même si ça sent déjà, et tu te dis comment je pourrais sortir de là? Comment cette odeur pourrait me quitter? Cette odeur de crainte, cette odeur de peur, cette odeur de maladie, cette odeur de rejet, cette odeur de honte, cette odeur d'incapacité, cette odeur de limite, de limitation, cette odeur de faiblesse, cette odeur de mensonge, cette odeur qui est devenue comme une forteresse dans ma vie. Mais Dieu est celui qui détruit les forteresses. Et quand ils ont commencé à faire le tour de Jéricho, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, sans rien dire, et le septième jour, ils avaient foi. Les murailles sont tombées. Et de la même manière, aujourd'hui, par le Saint-Esprit, les murailles de ces incapacités, les murailles de ces mensonges, les murailles de cette maladie, les murailles de la honte et du rejet tombent et sont détruites dans ta vie. Par la puissance de Dieu, le Seigneur te libère de la mort. Il te libère de l'esclavage spirituel. Il te libère de l'oppression. Il te libère de la dépression. Il te libère de cette chose qui t'entourait, ces mensonges qui revenaient dans ta tête pour t'amener dans la foi. La foi du Fils de Dieu qui s'est livré pour toi et qui s'est livré pour moi. Oui, tout est possible à celui qui croit. Et je brise les mensonges sataniques qui t'ont dit, les mensonges religieux qui t'ont dit que Dieu voulait, te voulait dans cette maladie, que Dieu allait te laisser comme ça mourir dans la honte, dans la pauvreté, dans le rejet. Et dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que la vérité s'installe en toi et te libère entièrement de la tête aux pieds. Sois libéré par la puissance de Dieu. Christ est mort pour te donner la vie. Et je prie qu'aujourd'hui, la vie de Dieu vienne sur toi et que tu sois capable de faire ce qu'il t'appelle à faire.
que la gloire du Seigneur vienne sur toi. Qu'il te libère, qu'il te remplisse, qu'il te guérisse. Tu n'es pas fait pour rester dans cette boîte. Et la parole de Dieu n'est pas liée. Tu peux être guéri. Tu peux être libéré. Tu peux faire cette chose que le Seigneur t'a appelé à faire. La parole de Dieu n'est pas liée. Et de la même façon qu'un ange est venu auprès de Pierre dans cette prison. Il était là dans cette prison. Pierre pensait faire un rêve. Et alors qu'il pensait faire un rêve, l'ange a défait les chaînes. L'ange, par la puissance de Dieu, a ouvert les verrous. La première porte s'est ouverte. La deuxième porte s'est ouverte. La troisième porte s'est ouverte. Et le voici, Pierre à l'extérieur, libéré de la prison. Et je prie maintenant, alors que tu es dans une prison, mon frère, ma sœur, que par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur t'en libère. Que l'ange de Dieu se lève, l'ange de l'Éternel, se lève dans ta vie maintenant et libère ton âme de la mort. Libère ton âme de la mort. Je me souviens lorsque ma maman, j'avais 7 ans, on était dans cette église, il n'y avait pas la vie de Dieu. On disait que c'est comme si le Saint-Esprit n'existait pas. Le pasteur lui avait dit, tu peux même enlever des pages de la Bible. Et cette nuit-là, alors qu'elle dormait, un souffle a touché ses oreilles. Et l'Esprit de Dieu lui a dit, maintenant tu entendras ma voix. Et la soif est née dans son cœur pour vivre quelque chose avec Dieu. Parce que cette église, ce pasteur, peut-être en voulant bien faire, l'avait mis dans une boîte. Et je me souviens le premier jour où on est entré dans cette église de Pentecôte. J'entendais des gens parler en langue pour la première fois. Je sentais qu'il y avait la vie de Dieu. Et c'est là que j'ai fait mes premiers pas avec le Seigneur et beaucoup d'autres après. Et je prie, mon frère, ma sœur, si tu es bloqué dans cette religion, tu es bloqué dans ta tête, tu sens comme ton intelligence, ton intellect est bloqué, c'est peut-être tes émotions qui sont bloquées, tu n'arrives pas à pleurer quand il faut pleurer, tu n'arrives pas à rire quand il faut rire. Je prie maintenant que la puissance de Dieu te libère, que l'ange de l'Éternel se lève sur ta vie et qu'il libère ton âme de la mort, qu'il libère ton âme de ses chaînes, qu'il libère comme Pierre a été libéré de la prison, que ses chaînes maintenant soient brisées, que ses portes d'airain s'ouvrent dans le nom du Seigneur, que la pierre soit roulée par la puissance de Dieu. Il te libère. Il te libère de ces paroles de mort. Il te libère de cette maladie. Il te libère de la honte. Il te libère de ce rejet. Dieu est celui qui te libère. Il est celui qui te délivre. Oh, les grandes eaux, les grandes eaux, le filet qui t'avait enserré, comme Jonas, dans cette mer et dans ce poisson puant, certains d'entre vous, cette boîte vous a entouré parce que vous avez refusé d'obéir à Dieu, parce que vous avez marché dans le péché et vous êtes entré dans une boîte d'adultère, une boîte de mensonges, vous mentez à tout le monde. Vous vous mentez à vous-même, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, maintenant même, recevez cette délivrance. Certains, vous avez pris un vêtement de mort. C'est un vêtement de mort qui vous entoure, mais par la puissance du Seigneur, enlevez, enlevez ce vêtement de mort. Enlevez ce vêtement de mort et que la puissance du Seigneur vous donne la vie. Je prie que la vie de Dieu coule dans votre être et que des fleuves d'eau vive jaillissent
de votre esprit. Je prie que tu sois rempli du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur. Reçois maintenant par la foi. Tout est possible à celui qui croit. Tu peux être libéré de cette maladie. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Tu peux être en feu pour Dieu. Tu peux être heureux, tu peux être joyeux, tu peux être béni de toute bénédiction parce que c'est ce que tu es en Christ. Et Père, je prie maintenant pour cette personne. Seigneur, tu m'as mis à cœur ces images, ces pensées, ces paroles. C'est parce que tu veux la délivrer. Tu veux le délivrer de la mort. Son temps n'est pas encore venu. Tu l'as dit, Seigneur Jésus, on voulait te pousser dans la mort, mais tu as refusé. On n'a pas pris ta vie, tu l'as donnée. On a voulu te jeter du haut de cette falaise. Mais tu es passé au milieu d'eux. Et de la même manière, Père, je prie que maintenant, tu fasses passer quelqu'un au milieu d'eux. Mon frère, ma sœur, fais-le passer. Seigneur, fais-le passer au milieu de ces mensonges, au milieu de ces choses, et fais-l'en sortir. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ vienne sur toi maintenant. Que la puissance de Dieu te libère. Que tu sois rempli du Saint-Esprit à déborder. Je déclare dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que tu vas aller là où le Seigneur t'a appelé à être. Je déclare dans le nom du Seigneur que tu es capable de faire ce que le Seigneur t'a appelé à faire. Tu es capable de dire et d'exprimer tout ce que tu dois exprimer. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, tu sors de ce tombeau. Tu sors de ce lit de mort. Tu sors de ce cachot. Tu sors de cette fosse. Tu sors de cette boîte. Ni par force, ni par puissance. Mais par le Saint-Esprit, ces vêtements de deuil. Depuis longtemps, tu es une femme et tu as perdu ton mari, tu as perdu ton enfant, et tu avais un vêtement de deuil sur toi. Mais maintenant, ces vêtements de deuil sont ôtés. Ce fardeau et ce joug pesant de la religion, pesant de la tristesse, pesant de la honte, pesant de la méchanceté, il te quitte. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, il te quitte. Père, je t'en prie, touche ton peuple. Que ta puissance les libère. Je refuse, Seigneur, qu'un d'eux meure et pourrisse dans cette boîte. Je refuse, Seigneur, que quelqu'un qui entende ma voix, Seigneur, soit comme un mort vivant. Les jours passent, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'espoir. Tu es le Dieu de l'espérance, tu es le Dieu de toute joie et de toute paix dans la foi. Et Père, je prie que ce soit leur partage. Il y a quelqu'un, tu voulais mourir, mais le Seigneur te dit non, non, non. Tu es vivant et tu vivras et tu raconteras la gloire de Dieu. Que la puissance du Seigneur te traverse. Et que les esprits de mort te quittent au nom de Jésus-Christ. Je ordonne maintenant aux esprits de mort, aux esprits de honte et aux esprits de rejet, aux esprits compressés qui ont rendu malade cette personne, de quitter maintenant cette personne au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je te l'ordonne, esprit de mort, tu sors de cette personne dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, je veux te glorifier et te remercier pour la puissance que tu déploies maintenant pour faire entrer ton peuple dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu, afin que la terre qui attend avec un ardent désir leur révélation puisse voir, à travers l'Église, la richesse de Christ, insondable, extraordinaire. Et Père, qu'à travers la vie de mon frère, de ma sœur, la vie de Dieu, ta vie soit manifestée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la gloire du Seigneur soit sur vous, la puissance de Dieu sur vous. Nous allons continuer à prier cette semaine. Le Seigneur est le Dieu des délivrances et il va vous libérer. On se retrouve ce soir dans notre live. Que la puissance du Seigneur vienne sur vous. Ce soir, nous prierons pour les familles et nous croyons que la puissance du Seigneur va toucher les familles. On se retrouve demain dans Prière inspirée. Thank you.
C'est ici, dans cet auditorium à EMCI, qu'on va bientôt avoir des conférences de femmes. On va pouvoir accueillir 1000 femmes et j'espère que vous en ferez partie. En plus, les conférences vont être filmées et ça va être une grande source de bénédiction pour des centaines de milliers de femmes partout dans la francophonie. Oh, Annabelle, ça va être trop bien. J'ai hâte de vous voir, chère dame, et merci de rejoindre les 5000 semeurs. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.